Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog, on est lundi. Il est 14h57. Je vous ai pas pris de la journée encore, enfin du matin déjà. Donc ce matin on s'est levé à 7h. J'ai essayé d'appeler le médecin, mais voilà, j'ai pas réussi à appeler le médecin. On a été déposé mail à l'école pour 8h30. On est revenu, on a parlé avec ma voisine jusqu'à 10h. Ensuite seulement je suis rentrée. Heureusement j'avais déjà donné à manger aux filles, je les avais déjà sorties et tout. Je suis rentrée, j'ai seulement déjeuné. Après j'avais commencé la vaisselle et tout compte fait, on est parti, moi, Camille, Dada. On est parti retirer de l'argent parce que je devais retirer de l'argent, bref. Et on est parti chez ma mère. Et après de là on est parti récupérer Mel. On est rentré, j'ai fait à manger. J'ai fait frites, steak haché, sauce au poivre. Moi, je ne me suis pas régalée. On a mangé. Ensuite, on a préparé le petit sac à Mel pour la randonnée. On est parti, là, la déposer pour 14h. Et on est parti mettre du gasoil. Et on est passé à Intersport. Intersport, j'ai acheté des chaussures pour Alexis, des nouvelles chaussures. Des champions comme ça. Bon, c'est lui qui a choisi. Franchement, elles sont belles. Il a pris en 38, parce qu'en fait, 38, je vais pas dire que c'est tout juste, il n'y a pas grand chose. En plus, ça va, il n'est pas serré, mais il n'y a pas grand chose en plus, mais 39, il flotte. Donc du coup, en 38, il y a un plus grand pied que moi. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les chaussures. Si vous la voyez bien quand même. C'est des champions. Et elles étaient en promotion, du coup, au lieu de 44... Au lieu de 44,99, elles sont passées à 27,99. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Du coup, je vais acheter des nouvelles chaussures parce qu'il en avait besoin. Il est trop serré dans les siennes. En même temps, c'était du 36, je crois, les siennes. Ah, je crois. Attendez, je sais pas si c'était du 36, les siennes. ou 37 les siennes, je sais pas du tout, c'est pas écrit. 36, ça m'étonne pas qu'il essaye. Là il y a du 38, voilà. Et du coup moi aujourd'hui je perds énormément, c'est affolant. Je voulais vous montrer aussi les petits achats, ça fait déjà 2 jours je crois que je les ai récupérés, que j'avais acheté à ma mère. Moi j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 3 trucs, je vais vous les montrer. Attendez, j'arrive. Alors, je suis là. Hein. J'ai acheté une petite gamelle comme ça. On voit mal. Attendez, je vais vous mettre de l'autre côté. Je suis chiant de ce côté-là. Alors, j'ai acheté une petite gamelle comme ça pour les filles. Elle est belle, je trouve. À 1 euro. À ma mère, elle est vendue à 1 euro. Ensuite, c'est pareil, j'ai acheté une petite bougie comme ça à la citronnelle. Elle sent trop bon. Pareil, 1 euro, je crois. Et j'ai acheté ça. Ça, elle le vendait... je sais plus c'était combien. Attendez. Combien elle le vendait? 1,50, je crois. C'est pour mettre dans le linge, dans les penderies. Et en fait, j'avais pris odeur senteur genre bébé. Et là, c'est air pur. Il sent super bon. Et moi, je vais le mettre certainement dans le linge à Mel. J'aime trop. Franchement, il sent super bon. À travers le paquet, déjà, je le sens. Mais si j'ouvre le paquet, il sent hyper bon. Bon, là, c'était les petits achats que j'avais fait à ma mère. Donc, j'ai pas acheté grand-chose. Bon, comme d'habitude, ça a coupé. Je disais que j'avais ouvert la porte parce que Chouchou, il va arriver. Je vous disais que j'avais le bordel. Donc, je vais tout débarrasser. J'ai du linge à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Hein, mais il est déjà 15h. Bon, 1h30, il faut récupérer Mel. Et à 17h, vous avez vu le bouton. Et à 17h, il faut que je récupère. On a rendez-vous avec Alexis. Donc, là, il me reste 1 heure. En 1 heure, je vais essayer de faire un peu le maximum. Mais je vais peut-être pas faire grand-chose. J'étais en train de vous montrer aussi ce que Dada va acheter. Mais du coup, ça a coupé.
Ah, mon voisin est reparti avec ses travaux. Donc moi je vais m'occuper de faire un peu, je pense, la vaisselle et tout. Et puis je vais faire du linge et tout, mais je pense que ça va passer vite. Je vous prends vraiment pas beaucoup en ce moment, mais c'est un peu la course en fait, je bouge tout le temps. Voilà. Bon, au pire, je vous mettrai des petits accélérés si je fais des choses. On verra. Ou sinon, je vous reprends en blablo ce soir parce que, comme je vous dis, à 17h, j'ai le rendez-vous. À mon avis, je vais pas rentrer avant 18h. Ce soir, ouais, je sais pas encore. On verra. Au cas où, on se reprend pour du blabla, les amis. Comme d'habitude, de toute façon, vous aimez bien le blabla, donc, ouais. Hein? Y a pas de problème? Allez, à tout à l'heure. Attention, il y a des trous là. Mais non, lui il est là. Re-coucou. Je vais faire les brioches pour Mel. Et après, on va aller se coucher. Il y a beaucoup d'orages. D'orages, je ne sais pas s'il n'y a pas eu des grêles. Tout à l'heure, on voit des flashs. Mais là, la barricade des fenêtres. Camille, des plages, des feux. Camille, elle aime pas du tout, alors elle a déplacé sa télé et tout. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ouais. Il y a des éclairs au chocolat, des éclairs au café. Du coup, je vous ai pris un petit peu tout à l'heure
Je sais plus. Avant que Chouchou il rentre. Ouais, avant que Chouchou il rentre. C'était déjà du blabla. Je parle à mon vlog, chérie. Et du coup, ben quand je vous ai laissé, j'ai appelé pour le rendez-vous d'Alex parce qu'en fait, je ne savais pas l'adresse exacte. Donc, je suis tombée sur Smart. Je suis tombée sur un endroit et heureusement que j'ai appelé parce qu'en fait, c'était pas la bonne adresse. Eh, non, t'as oublié. Et du coup, j'ai appelé le deuxième et c'était bon, heureusement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des éclairs. Il y a de l'orage. Il y a beaucoup d'orage. Donc, on a bouché ma fenêtre. Il y a des doudous tout autour de moi. Bien sûr, j'ai allumé toutes les lumières de ma chambre. Fais attention à tes vêtements. Sauf la grande, hein. Fais attention à tes vêtements, mais okay. Toute façon, ça va. Il y a encore un petit peu d'éclair, mais ça se calme. En plus de tout ça, j'ai mis le feu à fond sur ma télé, comme ça, j'entends rien. Bon, du coup. Ouais, quand je vous ai laissé. Chouchou est rentré, donc j'ai appelé. Oh, pardon. Chouchou a pris sa douche, j'ai attaqué la vaisselle. Il est sorti, du coup, c'est lui qui l'a essuyé. Et puis après, bah, pas grand chose en fait. Hein. J'ai le temps de nettoyer en fait bah, toute ma cuisine, de faire toute ma vaisselle, de nettoyer tout mon plan de travail, ma plaque de gaz, mon four. Et il était quasiment l'heure d'aller récupérer Mel. Du coup, on a été rechercher Mel à l'école. On est revenu la déposer à la maison. Elle est restée avec Matt. On a fait une balade de 1 heure. Et nous, on est parti à 16h35 pour le rendez-vous d'Alex à 17h. Parce que c'était dans Douai. Et on est arrivé là-bas à 17h pile. Il y avait un de ces mondes sur la route. Mel, elle a été faire randonnée aujourd'hui. Oui, en fait, on est parti. Après, on est parti dans une forêt. Après, on est parti au canal. On a vu des poules d'eau. Après, on est reparti sur une route. On est reparti dans une forêt. Et après, on était à l'école. Après, elle était à la récréation. Par contre, c'était long. Hein. Et d'ailleurs, au canal, eh ben, on a commencé à faire une pause. Genre, on s'est tous assis ou allongés. Et on a bu un coup. Ça fait du bien. Ouais. Et en plus, on avait le droit d'enlever nos manteaux et de le faire comme le jupe. Trop bien. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Ouais, et du coup, elle est rentrée, elle a été à la récréation. Comme elle a couru, madame, elle s'est fait mal. Oui. Qu'elle est tombée. En fait, juste ici. Elle s'est fait mal à sa main. J'ai un peu abîmé. Je lui dis de faire attention de ne pas courir. Hein? Bon, c'est pas grave, elle s'est pas fait trop mal, heureusement. Mais au moins, elle va savoir. Après, maman, je vais aller doucement. Oui, mais il faut aller doucement. T'as vu comment ça peut aller vite à tomber? C'est vite. En fait, les CV. J'espère que t'as réussi à toucher quelqu'un. Non. Même pas. Elle tombe et elle même pas. T'es tombée et t'as attrapé personne. Allez, en fait, je suis tombée une fois. J'ai attrapé ma copine. De CV. De CP, en fait. T'as attrapé qui? La petite soeur de Léna. Joue avec elle. Et avec son ami, elle vous touche. Et en fait, je suis tombée sans faire exprès sur elle. Sur la petite soeur Alina. Heureusement qu'elle n'est pas tombée. Ça fait mal. Non, elle n'est pas tombée. Après, je suis retombée, je ne me suis pas fait mal. Et après, je me suis retombée, je me suis fait mal. Voilà. Donc, 3 fois, tu es tombée. 3 fois. Donc, il faut arrêter de courir. Tu ne sais pas courir. Je rigole pas, imagine, c'est ta tête que tu te connais. Faire attention. Hein. En fait, à la classe, on va apprendre à courir. Non. Et du coup, ouais, on a récupéré Mel, on l'a déposé, on est arrivé, comme je vous ai dit, au rendez-vous. On a sorti du rendez-vous, il devait être 18h10. Et ça va peut-être un petit peu avancer le dossier d'Alex, on verra. Et du coup, bah, quand on est rentré à la maison, Mel, elle a été jouer un petit peu dans le jardin avec Alex. Parce que franchement, il faisait super bon aujourd'hui. Ah ouais. On était joué un petit peu dans le jardin avec Alexis, il lui a appris un petit peu à frapper les balles. D'ailleurs, je vous les ai filmées. Oui. Ouais. Tu vois la voiture qui est passée devant? Oui. Ben, en fait, c'était peut-être la voiture de Alexis parce qu'en fait, je crois que.
qu'elle est passée devant parce qu'en fait elle nous a vus. C'est qui Alicia? C'est une de ma classe. Ah bon? Oui, une de nos amies, la meilleure amie de Katniss. Ah, je sais pas, je connais pas. Ouais, du coup, ils ont été jouer un petit peu dans le jardin. Bon, je les ai un petit peu filmés. Et... ma coupe, elle a pas tout s'arrache, je dirais. Ouais. Ma coupe de téléphone, là, s'arrache. Et Mathieu voulait payer McDo ce soir. Du coup, il a payé McDo à tout le monde. Du coup, bah, forcément, on est 7 à la maison, parce qu'il y a des docs à la maison. Bon, ça va, il en a eu pour 57 euros pour 7 personnes. Donc, on va dire que ça va. Parce que d'habitude, on en a beaucoup, pour beaucoup plus. Mais franchement, là, ça va pour 7 personnes. Du coup, on a mangé McDo. Mais là, elle a voulu manger tester un burger, mais elle n'a pas aimé. Du coup, elle a mangé ses nuggets. 4 nuggets, du coup. Et là, du coup, elle mange de la brioche. Et après, c'est dodo. Parce que demain, il y a l'école. Voilà. Et... moi, j'ai pas réussi à dormir à côté. Là, du coup, j'étais montée avec elle dans sa chambre pour barricader la fenêtre. Mmh. Et Daisy, elle est en train d'aboyer. Et quand c'est descendu, en fait, ma télé, elle s'était éteinte, je sais pas pourquoi. Et je pense qu'en fait, comme il n'y avait pas de bruit, elle a dû avoir peur. Donc là, j'ai rallumé la télé et comme ça, elle va dormir. Alexis s'est endormi dans le canapé, du coup, je le laisse tranquille. Mathieu est dans sa chambre, Camille est dans sa chambre. Chouchou, il dort. Et toi, Alex. Ouais. Et puis nous, on va aller se coucher aussi parce que demain, il faut se lever à 7h. Ben. Il n'y a pas de bruit comme ça quand on mange. Si. Non. Du coup, on est lundi. Et je vous ai mis un vlog aujourd'hui parce qu'en fait, quand je suis partie chercher Mel à l'école, je me suis dit, j'ai pas eu le temps de me faire le retour de course parce qu'aujourd'hui, j'ai fait que bouger, je vous ai dit. Je ne reste que pas rester à la maison. D'ailleurs, j'ai pas fait énormément de ménage parce que j'ai pas eu le temps. J'ai même pas fait de linge, rien. Donc, du coup, j'avais pas eu le temps de faire le retour de course. Du coup, bah, le vlog, comme il était prêt, je vous ai mis le vlog à 18h. Et demain, du coup, il y aura le retour de course. Pour une fois, du coup, le retour de course, il arrivera le mardi. Tant pis. C'est pas très grave. Je vais m'occuper de ça. Donc, du coup, au moins, demain, il sera prêt. Mais bon, au moins, le retour de course, j'ai le temps de le faire. Parce que c'est long, hein. De faire un montage de retour de course, c'est quand même long parce que je revisionne le retour de course, je mets les prix, donc je dois chercher les prix, je dois calculer les promotions. Donc c'est très long de faire un montage, mais encore plus d'un retour de course. Et oui les amis, c'est du boulot. Je me plains pas, hein, mais c'est du boulot. Parce qu'il y en a, ils pensent à chaque fois, c'est ce que je vous dis, il y en a, ils pensent qu'on filme et hop, voilà, on exporte, c'est bon, non. Il y a du montage et tout, et c'est du boulot. Wallou, wallou. C'est quoi ça? Touche pas, touche pas. C'est quoi? Bon. J'attends qu'elle finisse sa brioche. Maman, tout... je peux la finir en bas? Oui. Toutes les filles, elles ont mangé. Princesse, du coup, bah, elle mange en même temps qu'eux. Hein, parce que vu qu'elle est en bas, je lui donne en même temps, du coup. Elle le sait. Hein. Franchement, elle le sait. Pourtant, elle n'est pas dans la même pièce. Parce que toutes les filles, elles mangent dans la cuisine. J'ai donné à manger au chat. Ouais, j'ai donné à manger aux chipettes. On est... comme je suis partie jouer un petit peu avec... enfin, j'ai été voir Mel dehors et tout. Et on est parti à McDo. Du coup, en revenant seulement de McDo, je leur ai donné aux mémères. On a mangé. Et après, je suis partie à la salle à manger. Et Princesse, elle m'attendait comme ça à la porte. J'ai dit, oui, je vais te donner à manger. J'ai l'impression que c'est Princesse la plus impatiente de la maison pour manger. Hein? Est-ce que c'est Princesse la plus impatiente pour manger? Non. Bon, Princesse, après, c'est quand elle me voit passer parce qu'elle le sait que je vais lui donner à manger. Mais ceux qui sont le plus pressés à chaque fois de manger, je crois que c'est Ken, moi et Sun. Regarde. Bon. Du coup, bah, je vous ai pas fait mieux aujourd'hui. Arrête de faire du bruit comme ça. Ferme ta bouche quand tu manges, chérie. Je vous ai pas fait un meilleur vlog aujourd'hui, tout compte fait. Mais bon. Tant pis. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a encore des cambrioleurs.
Ah, j'ai cru dans la maison. Et c'est dans la maison. Et la fille, mais non, pas nous. Non. Et la fille, elle l'a vu, gars. Ah, elle est cachée derrière le rideau. Désolée, je regarde le film, du coup. J'allais vous dire quoi, je sais plus. Du coup. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Ça a l'air d'être calmé, là. Tant mieux. Parce qu'au moins, plus, je dors. La fenêtre ouverte toute la nuit, parce qu'il fait chaud dans ma chambre. Il fait chaud dans ta chambre? Ouais, il fait chaud dans ma chambre. Dans la mienne. Il fait chaud aussi, toi? Ouais. Et j'allais vous dire quoi, je me rappelle plus. Demain, elle a la sport. J'allais vous dire un autre truc, je me rappelle plus. Bon, tant pis. Normalement, demain, j'ai pas tout ça à faire. Bah, déjà, j'ai pas besoin de passer à la poste. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin d'aller à Intersport parce que c'était pour des baskets pour Alex. J'ai pas besoin de remettre du gasoil. Peut-être que je passerai chez ma mère quand même. Ouais, je crois qu'il t'a vu, mais moi je pouvais pas regarder. En fait, j'étais tout seul dans la voiture avec Alexis. Et lui, il y avait plein d'enfants au niveau du canal. Mais moi, j'ai pas pu regarder, je conduisais. Et puis, on était vers le pont. Mais demain, il faut que je vienne chez mon médecin parce que je l'ai appelé ce matin. J'ai réussi enfin, au bout de 3 jours, à avoir la secrétaire. Et elle m'a dit, je vous rappelle ou le médecin vous rappelle. Maman. On m'a jamais rappelé. Maman, tu veux dire le pont, c'est trop là pour les feux d'artifice. C'est le pont vert chez mamie. Oui. Apparemment, Alex, vous avez vu vers l'autre. Oui, c'était là. Et bah, tu vois. Ouais, du coup, D'ailleurs, maman. Demain matin, je rappelle le médecin. Et si demain, début d'après-midi, elle ne m'a pas rappelé, je débarque là-bas. Parce que moi, je vais être embêtée, en fait, si j'ai pas le papier et pour ce que j'ai demandé à part, quoi. En fait, on est presque arrivé à la maison de mamie, tu vois. Ouais, t'étais pas loin de chez mamie. Quand on était en train de jouer, là. Ouais. Au volleyball, quand moi je jouais pas et qu'il faisait froid. Que Brian, elle était là, mamie, elle était là. Ah, pas au volleyball, chez mamie. À la pétanque. Eh ben, en fait, on était passé par là. T'es passé par là. Donc, t'es passé à côté de chez mamie. Non. Ah, si. Mamie, elle habite là, hein. Je oui, t'étais en fait, le long du canal, mais mamie, elle habite dans la rue derrière, du coup. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Est-ce que tu connais une certaine maison ouverte? Je vais pas. Je sais pas. Je vais pas vous dire qui sera plus intéressant parce que je sais pas ce que je vais vous filmer. On verra ça. Allez. Non, mais vers le canal. Bisous. Je sais pas, mon cœur.